télé, pour quelqu'un que les gens préfèrent suivre par vidéoconférence, c'est-à-dire ne pas être dans la salle. Ça. Du président du site. Je peux donner un reportage, mais j'ai quelque chose de... iWatchTube Radio, c'est un nouveau pas, justement, dans la bonne direction, qui montre que malgré tout, l'espoir reste permis. Comme vous le savez, aujourd'hui, avec la destruction des médias indépendants, les Burundais se sont beaucoup rués vers les médias sociaux, les infos sur WhatsApp, Facebook, Twitter. Nous allons contribuer à informer, nous allons investir aussi ces nouveaux réseaux. L'équipe iWatch Web Radio est composée d'une belle brochette, si je puisse ainsi dire. Il y a par exemple Christine Kamikazi, elle était de Bonesha, une radio aujourd'hui détruite, elle ne se contente que du site seulement. Il y a Agnès Ndiroubusa, qui était de Rema FM, et Jean, non je parle de Jean toujours, Jean n'est plus là. Il a disparu depuis le 22 juillet de cette année. Il n'est pas là. On avait même préparé les jingles. Non, c'est dommage. Si on essaie de voir toute cette équipe, c'est un bon bouquet de voix, un bon bouquet d'expérience aussi pour le bien des auditeurs. Quand on a commencé, on se disait est-ce que les gens allaient, les opposants et le gouvernement en place, est-ce qu'ils allaient pouvoir bien accueillir et nous accueillir et nous donner les informations utiles pour la population? Eh bien oui, c'est ça qui s'est passé. On interroge tous les parties prenantes, toutes les sources qui peuvent nous donner les informations et ça se passe plutôt bien. Vous envoyez ça sur WhatsApp et sur notre site, bien entendu, si on veut, on peut télécharger directement sur notre site web le magazine que nous diffusons chaque fois. Nous le diffusons à partir de 18h. Pour le moment, nous avons plus de 2000, même plus, parce que à côté des personnes qui s'abonnent, il y a d'autres qui sont abonnés, ils sortent de sous-location, qui s'abonnent aux abonnés. Donc, ils se les envoient comme ça, sans toutefois passer par nous, ou bien sans un ami, comme on partage une musique, comme on partage une photo. Ça se passe sur WhatsApp, c'est comme ça. Ndabaramukije no ngira ndabaha ikaze nshuti na mubagenzi mugiye gukurikira ano makuru iwacu tubateguriye kuri uyu wa mbere aha naye akabagize n'ingingo nkuru zikurikira abanyagihugu wa muri commune.